verte. Réponds à haute voix, tu avais habité à la cité verte. On avait pris ta vie. Donc, toi, ta vie est à Chikapa. Et alors que tu avais obtenu ton diplôme d'État, avec 56%, tu avais obtenu ton diplôme avec 56%. Université na Fouania. J'ai fait une sorcellerie de ce côté de Saint-Ignace. Na Kisha. Et après, boule boule, je vais Saint-Ignace. C'est la sorcellerie de Saint-Ignace. Je vais répliquer à Mouchale, inakuya kwa Paola. C'est là qu'on avait envoyé Bibiaki Amira Baruam Toto qui va commencer. C'est là qu'on avait envoyé une flèche qui était venue chez ta belle-sœur, on avait tué son fils aîné. Tu connais ce que je dis? Oui oui. Je suis au 17e rue, non? Oui oui, c'est là que j'habite, à la 17e rue. 17e rue. Aussi est là-bas. Il y a des choses qui se passent maintenant là. Parce qu'après qu'on a sème, alors que je suis en train de parler, je vois un ange. Malaika moya. Un ange. Na kishole malaika. Et cet ange. Ah. Mama. La mama là. Munaya sema. Vous savez que, alors que je suis en train de parler, Dieu accepte que tu es en France. C'est comment les démarches? C'est en cours, hein? Parce que alors que je te vois, je vois qu'on est en train de te lancer le drapeau de la France. Avance, prophète. Bon voyage. Bon voyage. Et cet ange est en train de me dire encore ceci. Dieu Amen. Est en train de libérer la grâce de voyage en ces lieux. Je vois qu'on est en train de jeter plusieurs passeports en ces lieux. Plusieurs passeports sont donnés en ces lieux. Je prophétise et je déclare. Yes. J'annonce et je parle. Yes. Dans le nom de Jésus. Yes. À partir de maintenant. Yes. On ne va plus refuser ton passeport. Yes. J'annonce comme fils des prophètes. Amen. Établi dans cette nation. Amen. Que la saison des voyages soit ton partage. Amen. Parce que pendant que je parle, avance. Je suis en train de chercher quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Merveille, merveille, merveille. Merveille, la personne avance, s'appelle prophète. Merveille. Merveille. Avance, prophète. Merveille. Merveille. Non, non. La merveille que je cherche, on veut tuer son père. Son père est un militaire. Papa Odon. Papa Odon. Papa Gédéon. Avance, papa prophète. Gédéon, appelé Odon. Nu colonel. C'est un colonel de des armées. De la police. De la police. Avance, prophète. Alors que je suis en train de parler, je vois quelque chose. Avance, prophète. Merveille. Merveille. Tu vois bien. Ton père, c'est un policier. Parce qu'il n'y a pas de problème. Alors que je pars, je vois un ange qui est en train de bouger une assiette. Parce qu'il y avait un plan du monde des ténèbres. On voulait assassiner ton père. Papa Gédéon. Papa Gédéon. Est-ce que tu connais Maman Véro? Ma mère. C'est qui? C'est ma mère. Avance, c'est ta mère. Prophète. Oui. Avance, prophète. Parce qu'il y a pas de gounasse, hein? Parce que pendant que je parle, esprit angu. Mon esprit va aller avec toi à trois endroits différents. On a écouté Chikapa. Est-ce que tu connais Chikapa? C'est où Chikapa? C'est au Kasai. Au Kasai? Du côté de papa? Oui, oui. Ou Chikapa? Oui. Parce que pendant que je parle, je vois une réunion à Chikapa. Ingine. Une autre réunion. C'est tenir en Mbujimayi. Sur l'avenue Mama Yemo. J'avance et t'explique. Ninjou anini. Pourquoi?
Alors que vous étiez à la cité verte, tu avais habité un moment à la cité verte. Parle à haute voix, Urikala ku cité verte. Réponds à haute voix, tu avais habité à la cité verte. On avait pris ta vie. Donc, toi, ta vie est à Chikapa. Et alors que tu avais obtenu ton diplôme d'État, avec 56%, tu avais obtenu ton diplôme avec 56%. Et à l'université, tu es à l'Académie des Beaux-Arts. Alors que je te parle, je vais aller déterrer ta vie. Amen. Tu connais le niveau de Saint-Ignace. Tu avais habité aussi du côté de Saint-Ignace. On avait fait une sorcellerie de ce côté de Saint-Ignace. Et après, la sorcellerie de Saint-Ignace, c'est là qu'on avait envoyé une flèche qui était venue chez ta belle-sœur. On avait tué son fils aîné. Tu connais ce que je dis? Oui, oui. Je suis au 17e rue, non? Oui, oui, c'est là que j'habite, à la 17e rue aussi, et là-bas. Parce que Dieu me dit d'enlever des histoires au 17e rue. Avance, prophète. Il y a eu trop de choses qu'on avait fait. Avance, prophète. On a même décidé de tuer Valérie, c'est ton frère. Oui, ne c'est pas. Mon frère, je viens après. Ouais. Il y a trop de choses chez vous. Avance, prophète. Maintenant, il y a une forte sorcellerie. Le 24 décembre. Qui t'avait touché à la date du 24 décembre? Tu ne te sentais pas bien. Je ne me souviens. Ah, tu aimes beaucoup de Namwana, non? C'est toi Laisse-moi, tu aimes beaucoup de Namwana, non? Oui, je l'apprécie. Tu l'apprécies? Parce que je t'entends en train de chanter Nzambe monene. C'était le jour où on est venu te prendre. On avait utilisé un garçon. Et ce garçon est très proche de ton frère Valérie. Je peux encore ajouter des choses fidèles. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Maintenant que je te regarde, Dieu me dit ceci. Aujourd'hui, Dieu t'a aidé. T'a envoyé son aide. Et Dieu est en train de me dire, ta mère, elle va vivre une longue vie sous le soleil. Elle a failli mourir dernièrement. Le jour où elle a eu son dernier enfant. Parce que je suis en train de parler, je vois le toche qu'on est en train de sortir du monde des ténèbres. Ton père est un avocat. C'est un avocat militaire. Et puis, pasteur. Oui, et puis c'est un pasteur aussi. Avance, prophète. Il y a une de tes relations là, qu'on a détruite. Et je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Avance, prophète. Toute personne qui est sous le son de ma voix. Et celui qui est dans cette activité connectée. Alléluia. Il n'y a personne. On ne détruira rien de ces gens au nom de Jésus. Alléluia. Mais je sens que vous avez un problème d'amen, hein? Mais je sens qu'il y a un problème. Avance, prophète. Je décrète et je prophétise. Amen. Dans le nom de Jésus. Avance, yes. Le diable ne prendra rien de toi. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce prophétique dans la maison? Est-ce